Die Provence mit ihrem unvergleichlichen Licht hat schon immer die großen Meister von Cézanne bis Van Gogh inspiriert. Das Château Lacoste, ein riesiges Weingut, hat sich in den vergangenen 20 Jahren in ein Freilichtmuseum verwandelt. Derzeit ist hier eine gigantische Ausstellung von Damien Hirst zu sehen, mit Skulpturen und Gemälden. C'est la première fois qu'un artiste va occuper tous les lieux d'exposition, donc 5. Il s'installe aussi dans les jardins du domaine et dans le parc, avec notamment une sculpture derrière moi, The Monk. Damien Hirst, c'est l'artiste britannique de renommée internationale que tout le monde connaît. Donc ça va des séries totalement inédites qu'on n'a jamais vues à des séries plus classiques de son travail, comme Natural History et Les animaux dans le formol, qui ont fait sa renommée au début des années 90. Die Serie Natural History befindet sich in einem Gebäude des Architekten Renzo Piano, das inmitten der Weinberge errichtet wurde, wie auch mehrere bisher unveröffentlichte Serien wie The Secret Garden Paintings. Während The Empresses in einem Gebäude im Wald ausgestellt ist. L'architecture, c'est un média, je ne sais pas si on peut appeler ça un média, un art très important au domaine. La première œuvre d'art qui a été installée, c'est les Chais de Jean Nouvel, donc l'architecte français. Et ensuite, sont venus s'ajouter Tada Wando, qui est derrière moi, Frank Gehry, Renzo Piano, Richard Rogers, Oscar Niemeyer. Ils ont tous fait des lieux un peu différents. Souvent, c'est des pavillons qui sont assez humbles, en fait, qui permettent d'accueillir d'autres expositions et donc d'autres artistes. Architektur als ideale Verbindung zwischen der Landschaft der Provence, ihren Weinbergen und ihrem Licht. The Light That Shines von Damien Hirst ist bis zum 23. Juni im Château Lacoste zu sehen.